Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en ligne pour une vidéo qui je suis. Rappelez-vous, j'avais fait ce genre de vidéo avec des personnages youtubeurs. Par exemple, vous me donnez des noms de youtubeurs et je m'habillais comme eux. Donc là, j'ai décidé de faire la même chose mais avec des personnages connus comme des chanteurs. Donc là, je vais commencer par un groupe de chanteurs. Bien sûr, je vais faire pas les deux, je vais faire juste le chanteur. En principe, ils sont deux. Et donc, petit indice, vous allez voir la manière comment ils sont habillés. Je vais vous dire, je vais vous montrer à l'endroit où ils ont tourné le clip. Donc on l'a dans GTA. L'endroit où ils ont tourné le clip, donc vous allez voir, c'est très simple. Et c'est un groupe qui était connu dans les années 2010 à 2012. Mais on les entend plus. Pour moi, je les entends plus, je les ai, mais j'ai pas encore entendu d'autres musiques d'eux. Donc voilà, il vous faut des lunettes comme vous avez vu, blanches et un short. C'est très simple, on va changer juste de coiffure, on va essayer d'avoir la même coiffure qu'eux, que le chanteur. Je pense que vous allez reconnaître. Je peux pas vous donner trop d'indices parce que sinon ça va être trop facile. C'est à vous de trouver. Si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent, bah je dirai le nom du chanteur, du groupe, par exemple. Parce que le chanteur, oui, on connaît le nom du chanteur. Je connais le nom du chanteur, je connais aussi le nom du groupe. Donc voilà. Donc rappelez-vous, ils ont chanté en 2010, dans les années 2010 à 2012. Donc c'est pas si vieux que ça. Voilà, on les entend plus, pratiquement plus. Donc ils sont connus dans le monde entier. Bien sûr. Voilà, c'était des musiques un peu connues, des danses, voilà. Des danses un peu, des danses connues. J'allais dire un peu connues, des danses connues, mais non. Oui, c'est des danses vraiment connues. Donc voilà, qui était à la mode avant. Je sais pas si ça se fait ça se danse toujours. Alors, donc une coiffure comme ça. À la base, il a pas les mêmes cheveux, mais j'aime mettre ces cheveux-là. Ça ressemble pas du tout, c'est pas grave. Mais vous allez voir, après, je vais vous montrer l'endroit où ils ont dansé. Donc c'est vraiment l'endroit identique qu'ils ont fait dans le clip. Donc là, je vais vous montrer sur GTA. C'est le même endroit. Du coup, vous allez voir, je pense que vous allez reconnaître. Et je vais faire des gestes de danse et vous allez reconnaître, bien sûr, les gestes de danse. Les bras, ça compte pas parce que sur GTA, on n'a pas les mêmes choses. Voilà, vous allez voir tout simplement. Donc, c'est par ici. Vous allez reconnaître, les amis, reconnaître l'endroit. Donc, c'est sur la plage de Los Santos. Voilà, sur les endroits où on marche. Donc c'est ici sur la voie piétonne. Donc je vais me garer là. Je vais vous montrer l'endroit où ils ont tourné le clip. Je vais pas mettre une photo sinon vous allez trouver. Ça va être trop facile. Donc voilà, c'est derrière. Vous voyez le bâtiment bleu au fond. Bah c'est là où ils ont tourné le clip. Donc imaginez-vous le clip. Et je vais faire des gestes de danse. Et je pense que vous allez peut-être reconnaître. Donc voilà. Vous enlevez juste les bras. Et je pense que vous allez reconnaître. Je peux pas vous donner plus d'idées. Ils sont plusieurs sur le clip. Et après, ça se finit dans un bar. Voilà, je vous donne juste ça comme idée. Donc, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit nom du groupe et du chanteur, un petit j'aime, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite. Et ciao, bye bye, peace tout le monde, salut!